Bon, ça y est, on est bien arrivé sur l'île. Derrière moi, il n'y a rien. Par ici, il n'y a rien non plus. On va aller partir chercher du bois pour faire du feu. Et le ballon des crocodiles, il est toujours là. Tu vas, je défonce, tu tournes, t'as le ballon des crocodiles. D'accord. À côté, hein. Oh, on est vraiment là, des fois, il y a de par là. Bah là, on se tape une petite déterre, il est 1h30 du matin. Nous, on va essayer d'aller jusqu'au spot des crocodiles pour voir si, s'ils sont de sortie et si on peut en filmer un ou deux ce soir. Ouais, mais il fait trop sombre. Bon, la nuit n'a pas été des plus incroyables. Il a fait extrêmement chaud et c'était très désagréable. J'ai fini ma nuit dehors. Pour une raison mystique aussi, la batterie de la caméra s'est totalement déchargée. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'avais bien éteinte hier soir. Du coup, je pense que la journée d'aujourd'hui sera filmée avec le téléphone. Du coup, putain, c'est vrai que hier, j'ai même pas montré l'installation du camp. Mais en gros, là, juste là, là c'est la rivière dans laquelle on a vu le crocodile hier soir. Là. C'était un peu plus loin par là-bas. Et nous, on est là. Faut se dire que là, quand la marée monte et que l'eau est bien haute, elle arrive vraiment jusque là, quoi. Et nos tentes sont là. Le matin, on n'est pas à l'abri de faire une drôle de rencontre. Alors ça se motive par un plongeon dans l'eau au crocodile. Si jamais vous revenez pas, il y a quelque chose à dire, un dernier mot, une dernière parole. Oh, ça va. Tu sais, tu sautes, tu te fais choper une guibole, là, tu sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Yeah. Tu vois, j'ai plongé deux fois, non. L'homme, il est fort. Tu crois que les animaux vont attaquer l'homme comme ça? Oui. Vous avez entendu? Je suis fort, bordel! Pas mon courage. Hein. Comment on dit? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Parfait! Ah ouais! Elle est trop bonne! T'es fou! Hakuna Matata. Elle est bonne? Ah, elle est trop bonne, t'es fou, Bill! Elle est top! Cette bande de malades là. Dans cette mémo hier, on a vu des crocodiles. Les mecs qui se baignent. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, moi du tout. Mais écoute, si t'as passé un bon moment, tant mieux. Oh, moi j'irai pas là-dedans. Vraiment, vraiment au pied de la mangrove en plus. C'était là quand même, juste là. Hier, ici même, on a filmé des murènes. Ces gens sont fous. Oh, ces gens sont totalement fous. C'est, bah, avec le pêcheur, les pêcheurs qu'on a croisés tout à l'heure. Un pêcheur qui était juste à côté, tu sais, en train de mettre un piège au fait. Et là, j'ai discuté un peu avec lui. Il a pris deux cigarettes avec nous parce qu'il n'avait pas de clope. Et du coup, je lui ai dit, bah voilà, nous on est preneurs pour un petit poisson frais. Il fait une petite prise. Oui, parce que là, on en a plus. Voilà, et en plus de ça, des patates. Puisque Djali avait un grand besoin de pêche, il s'est fabriqué plein de trucs, tu sais, il s'est fabriqué un bidon, un contenu, un contenant, du pain, une corde. Et il a fini par perdre tout ça dans l'eau. Voilà, donc c'est vrai, j'ai taquiné un peu aussi les pêcheurs dans le sens de leur emprunter une petite ligne, un petit hameçon, un petit plomb, et si on trouve un petit appât, on pourra s'éclater.
Je sais pas. Je vais faire un petit résumé de la situation. Il est 17h30, presque 18h, je crois. On n'a toujours pas mangé. Vous l'avez vu sur les plans drone, on a envoyé Jelly et Malik chercher de la bouffe parce qu'on a plus de viande ici. Et ça fait 2 heures. Ils sont pas revenus. Du coup, bah voilà. On a très faim. On a très très faim. Bah, on n'a pas à manger de la journée. En plus, quand ils vont arriver, il va falloir prendre le temps de manger, de préparer avant de manger. Donc, tout ça, c'est par manque d'organisation. Parce que si on avait fait les courses comme il fallait, on serait rentré full, on ne serait plus bougé. Mais bon, je connais les gens qui sont allés faire les courses. Je les connais. Ah ouais ? Mon Dieu, ces courses. Moi, je les connais pas. C'était des courses pour une nuit, tu sais. Le tout premier truc qu'on a fait, c'est qu'il m'a demandé 5 000 pour prendre la poule. Il est ressorti avec la poule. Tu vois, donc dans ma tête, elle est déjà payée, la poule. Oui. Et c'est pour ça que j'ai pas percuté, en fait. Après, je me suis dit... C'est pour les condiments. Ouais, peut-être que c'est pour les condiments. Parce que là, il y a les oignons et tout, il les a pas là-bas pour que la femme le fasse. Et on les achète ensemble, les oignons, après. Non, c'est... Ouais, je sais pas. En fait, je suis pas sûr d'avoir payé. C'est un bourbier. Ouais. C'est un bourbier. Bon, bah du coup, on a récupéré Jali, mais on n'a pas récupéré Malik, on n'a pas récupéré la bouffe non plus. Bon, la nuit va bientôt tomber, on n'a toujours pas mangé et bah on attend. Et je vais faire quelques derniers plans de drone là avant que la nuit tombe. Il y a un beau coucher de soleil et bah voilà, on va essayer de pas mourir de faim. Cette journée devient terrible. Malik. Du coup, c'est lui ou c'est pas lui? Malik. C'est encore un faux espoir. Bientôt 20h, on est toujours dans la tente. On a faim. Je crois que j'entends la pirogue aussi. Ouais. Je vais aller guetter depuis le ponton. Est-ce que c'est lui là-bas? Les plats sont là, à côté là. Ouais, je vois. Ils sont là. La nourriture est arrivée. Ouais, la nourriture est arrivée. Enfin, on a failli tous mourir de faim là quand même. Hein. Ouais. Putain. Ça y est, on va pouvoir grailler. Enfin. On va conclure là pour cette journée. Elle n'aurait pas été spécialement passionnante, mais elle aurait été sacrément éprouvante. Mais là, ça y est, on a bien mangé, la good vibe, le bon mood est revenu. On se sent quand même beaucoup mieux. Allez, bisous les internautes. Le meilleur. Allez, sur ce, à demain.
Salut, ça va, yo, tranquille. Bon, on se prépare à partir, à rentrer vers le Cap Skirring. Cool, Egei, t'es validé. C'était nice. Bon, même si la journée d'hier, elle a été quand même assez complexe. Ouais. On a passé une bonne session. Ouais. La nuit a été assez courte. Moi, je dors là, sur le hamac. Alors, on est en train de remballer. On va prendre la pirogue dans quelques minutes. Et on rentre, quoi. C'est reparti, de retour au village. Il fait toujours aussi chaud. Et ouais. Allez, peace. Alors, tout le monde repart un peu sur Djembereng et moi je reste parce que ils m'ont enquiquiné au fait pendant 2 jours et puis voilà. Non, mais je rigole. Il veut sa tranquillité. Voilà, juste pour me poser un peu, je serai un peu seul là. Question de faire vraiment avec tout ce qu'on voit ici, le break total et repartir les retrouver. Cool, love. Cool. The total break. Arona, bon, j'ai pas de main disponible pour dire au revoir, mais à demain. Ciao, à demain. Bye bye. Bye bye, j'arrive demain. T'inquiète, t'inquiète, j'y vais doucement, je fais exprès. Ok. Allez, bye bye. On est parti. En tout cas, c'est ici même sur la pirogue que je vais conclure la vidéo. C'était une expérience inoubliable. Superbe aventure. On est passé partout. Les hauts, les bas, les gauches, les droites. Exactement. On a vu quelques belles choses. Hein. Ouais, on a pas vu belles choses. On a joui d'une tranquillité absolue. C'était très cool pour ça. Il faut dire aussi quand même qu'on a réussi à échapper à la morsure des crocodiles. Ouais. On les a vus, mais on les a pas sentis. Tant mieux. Malgré quelques bruits bizarres quand même pendant les nuits. Hein. Ouais, les splash. Et ça va, on a échappé à toutes les bêtes féroces de l'île, entre les crocos, chacals et hyènes. Ouais. On a dormi plutôt serein sur nos deux oreilles. Alors, en vrai, c'était une belle expérience, c'était calme et ressourçant. Ouais, ça fait vraiment du bien de passer 2 jours là. Pas de pensée parasite. Ah non, c'est ça, pas de pensée parasite, pas de bruit, c'était le calme et la tranquillité. Et pour ça, c'était magnifique. On s'embourbe. Oh. Oh. Petite erreur de calcul. On va se retrouver piégé dans la mangrove. On tangue. Hein. On va se retrouver plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, bisous les loulous. Il va nous en faire une à chaque fois, celui-là. Allez, sur ce, bye bye. Bye bye.